Alors bonjour à tous, moi c'est Inference Girl et Fuga, vous êtes sur BlogX Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais parler de Jin et de Job dans les BTS. Donc dans cette vidéo, je vais parler des lines que Job avait eues pendant jour 1 de leur concert à Los Angeles, je crois. Enfin, je sais pas si c'est à Los Angeles ou plutôt en Amérique, voilà. Et je vais parler aussi de Jin, des BTS, par rapport à toutes les musiques. Enfin, pas toutes les musiques, mais certaines musiques qui sont sorties. Et vous parler, genre, des lines qu'il a eues, parce que des fois, genre, surtout sur leurs anciennes musiques, vous allez voir que c'est un peu tout ça catastrophique. Et donc, j'avais envie de repartir sur deux news qui concerne les membres de BTS et ce sont des vraies news. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme je vous ai dit, pour cette vidéo, nous allons parler de Jin et de Diop des BTS par rapport aux lines qu'ils ont pu genre recevoir, notamment la première information, nous allons parler de Diop et les lines qu'il a reçues durant un des derniers concerts qu'ils avaient fait en 2021. Et ensuite, nous allons parler de Jin des BTS dans la seconde partie de la vidéo par rapport à certaines musiques, pas toutes les musiques de BTS, mais vous montrer que parfois les lines qu'il a reçues, et surtout vous parler d'une de ses musiques qui fait référence à tout ça. C'est comme ça que va se passer cette vidéo. Et donc là, nous allons commencer avec le premier chapitre où nous allons parler de Diop. Un article qui parle de ça. Donc j'ai tapé Diop Line Concert. Donc les lines, c'est les lyrics, en fait, c'est le temps, par exemple, c'est... Il dit genre une phrase, par exemple, cette phrase-là, genre il la rappe, et ben ça équivaut genre à une line. Et donc, il a eu 5 minutes, Diop, 5 minutes de line, rendez-vous compte, 5 minutes de line sur un concert qui dure 3 heures. 3 heures. Genre, faut cogiter un peu là, on peut dire... Mais en fait, c'est bizarre. Sachant que les autres membres de BTS ont eu beaucoup plus de lines que lui. Ce qui est franchement, genre, choquant. Se dire, ok, genre, lui, il a eu 5 minutes de line sur 3 heures de concert. Surtout, les fans, ils ont fait, genre, un hashtag, genre, après le concert, parce qu'ils vont pas faire pendant le concert, c'est pas pendant le concert qu'ils vont se réveiller. Ah oui, et si on mettait cette musique-là? Ah oui, mais on n'a pas la bande sonore, donc comment fait-on? Voilà, les fans ont quand même créé des hashtags pour montrer, mais regardez, genre, Diop, il est un peu délaissé, là. Donc, là, sur la photo qu'ils ont mis, genre, sur l'article, la première photo que vous pouvez voir en allant sur l'article. Bon, bien sûr, c'est un article en anglais, je vous mettrai dans la barre d'informations. Et au cas où, si vous êtes sur un ordinateur ou si vous avez un téléphone genre Android, eh ben, vous pouvez quand même aller sur Chrome et pouvoir traduire, enfin Chrome pourra vous traduire la page, vous pouvez le faire si vous voulez mieux comprendre. Et donc, les hashtags qui ont été créés quand même, ces hashtags-là ont été quand même mis en tendance. Parce que franchement, c'est que ça a choqué genre beaucoup de monde. Il suffit que plein de gens dans le stade commencent à faire des hashtags pour que tout le monde genre commence à relayer cette information. Donc déjà, le premier hashtag que je vois, c'est hashtag Diop deserved better. Je prononce peut-être pas bien. Et après, ça fait le deuxième hashtag, c'est hashtag give Diop line, ça veut dire donner des lines à Diop, genre oui, ça je comprends. Le premier hashtag, je sais pas trop vous dire ce que c'est parce que voilà, mais quand même, 5 minutes de line, c'est un peu genre choquant. Et donc, un peu plus bas, genre dans l'article, déjà ils disent que
BTS, ils avaient performé au SoFi Stadium. C'était un samedi après genre 2 ans d'absence. Donc ils ont performé bien sûr en live. Enfin, ils ont performé en live ap après, on va dire, la pandémie de Covid, même si à ce moment-là, il y avait enfin, il y a toujours le Covid, mais même si on en parle moins, etc. Et donc là, comme quoi ils parlent que c'est le membre de Diop. Et là, en dessous, mais en dessous, nous pouvons voir qu'il y a genre une photo avec genre toutes les musiques qui sont passées genre durant cette musique, enfin durant le concert. Et à chaque fois, nous avons genre le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, le titre et combien de temps Diop il était là ou pas là. Donc déjà, nous avons genre On 17 minutes, Fire 8 secondes, Dope 12 secondes, DNA 10 secondes, Blue and Grey 15 secondes, Black Swan 12 secondes, Blood, Sweat and Tears. Alors il y a 10 secondes plus Reverse Cut, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons Fake Love qui est 10 secondes, Life Goes On qui est 10 secondes, nous avons Bomb With Love qui est 14 secondes, nous avons Dynamite avec 8 secondes, nous avons Butter avec genre 9 secondes, nous avons Airplane partie 2. Je pense qu'ils chantent pas, mais c'est les Reverse Cut, je sais pas, peut-être que c'est les chœurs ou je ne sais pas, mais je verrai bien qu'est-ce que c'est. Après, pour Babe Say, genre il a 10 secondes plus les chorus plus les freestyle then cut. En fait, les chorus machin de bidu chouette, je crois que c'est le refrain. Je crois que c'est le refrain. Ou si c'est pas le refrain, c'est genre les couplets. La line qu'il a eu pendant plus longtemps, c'était DC's, qui est l'une de leurs récentes musiques. Et quand même, 39 secondes, c'est quand même déjà beaucoup dans une musique. Mais c'est le plus qu'il ait eu. Après, nous avons Télépathie, où est-ce qu'il a eu genre 8 secondes. Stay, il a rien. Parce que c'est écrit Submit Song, No Line. Donc ça veut dire que à ce moment-là, dans cette musique-là, il n'avait pas de line. Mais en même temps, Stay, c'est une musique où est-ce qu'ils sont trois. Où est-ce qu'il y a, je crois, Vi, RM et le troisième membre, je sais plus c'est qui. Mais c'est l'une de leurs récentes musiques. Donc, certainement une musique qui a été faite. C'est déjà, c'est une musique qui a été faite genre en trio. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de line. Après, nous avons la musique So What, où est-ce qu'il a genre 15 secondes. I Need You, où est-ce qu'il a 11 secondes. Save Me, où est-ce qu'il a 12 secondes. Après, nous avons We Are Both. We Are Bulletproof, Vie Éternelle, 10 secondes. Après, pour l'avant-dernière musique, ils ont performé Avenger, Love Myself, 18 secondes. Et Permission to Dance, où est-ce qu'il a genre 12 secondes quand même. Et ce qui équivaut genre au total, qu'ils avaient mis 4 minutes et 44 secondes. Genre, c'est sûr. Les gens qui font des articles, qui publient, qui partagent genre, des informations, ils vont genre arrondir. Ils ont arrondi à 5 minutes, même si c'est que 4 minutes, genre 44. Mais c'est quand même genre choquant. Tu te dis, bon bah stay, ok, il a rien. Mais quand ils mettent genre 10 secondes, plus chorus, plus freestyle, Dance Cut, ça veut dire que tout ça équivaut genre à 10 secondes. Enfin, je pense que tout ça équivaut à 10 secondes. Même le Reverse Cut, genre plus 10 secondes, tout ça équivaut genre à 10 secondes. C'est genre un long truc, genre 10 secondes. Après, Reverse Cut, mais ils disent pas combien de temps ça a duré. Genre, c'est. Peut-être que c'est pas genre. Compter. Bon, alors là, ce que je vais vous parler, c'est par rapport à tout ce qui est des musiques où est-ce qu'on parle de
de reverse cut, etc. Donc j'ai traduit, genre, merci Google Traduction. Mais il y a certains mots que je ne comprends pas. Donc je me dis peut-être que ce mot-là, on veut dire genre un autre mot. Donc ça dit, il convient également de noter dans la façon dont les chansons dans laquelle il avait genre des couplets notables ou plusieurs lignes ont été omises. Donc je pense que ça veut dire que il y a des trucs qui ont été coupés ou peut-être qu'ils n'ont pas genre performé la musique jusqu'au bout ou un truc du style ou je ne sais pas quoi. Parce que dans Blood, Sweat and Tears, les couplets ont été genre omis. Il n'a donc que 10 secondes au total dans Airplane Partie 2, bien qu'il soit genre inspiré par sa propre chanson solo Airplane, Diop a fait genre couper son couplet et dans Beep Say, Diop n'avait qu'un couplet genre de 10 secondes et son couplet de refrain et son style libre voleur de scène était genre également omission flagrante. Donc je pense que ça veut dire aussi que bah il y a des trucs qui ont été genre coupés, soit parce que de ce que je comprends, ce serait lui qui les aurait coupés ou que ça aurait été genre complètement coupé de ça, quoi. Mais donc quand même 4 minutes 44 sur 3 heures, sachant qu'une heure ça fait 60 secondes, 2 heures ça fait 120 minutes. Tu te dis, bon, c'est sûr, sur 3 heures, ils vont pas que chanter genre les 3 heures. Sur les 3 heures, ils vont genre performer, ils vont genre parler aux fans, enfin, comme dans n'importe quel genre concert K-pop. Hein. Donc là, maintenant, vu qu'on va parler de Jin, voilà, des lyrics, etc. Donc, comme je vous ai dit, je suis de chaîne YouTube. C'est là que je vous parlais, où est-ce que j'ai pris, genre, ces informations-là, où est-ce que je peux les retrouver? C'est sur Random K, mais je suis aussi une autre chaîne YouTube que je ne sais plus le nom. Et donc, ces chaînes YouTube-là, elles sont dans le même style, donc ça va être des personnes qui vont vous montrer, genre, il y aura les lyrics, genre, vous aurez au milieu un truc du style, genre, les lyrics. Enfin, je veux dire, un côté, vous aurez les lyrics qui défileront, de l'autre côté, vous aurez à chaque fois, genre, les membres avec leur tête, et il y aura un petit timer qui va défiler. Donc, au début, ça démarre à 0 seconde, et puis par exemple, je sais pas, genre, la personne elle chante, donc ça va monter. Par exemple, ça s'arrête à 10 secondes, on va dire ça comme ça. Et ça va faire comme ça, genre, chaque membre, imaginons que le deuxième membre, ben, je sais pas, il chante par exemple 35 secondes, ben, ça va être 35 secondes. Et ça va être comme ça va bouger en fonction d'eux, jusqu'à la fin de la musique. Et donc, à la fin de la musique, on sera qui a beaucoup plus genre chanté dans le groupe et qui a le moins chanté. Et donc c'est pour ça que bah j'ai pris la playlist qu'ils avaient fait genre spéciale genre BTS. Et nous allons voir sur une vingtaine de musiques. Bon bien sûr, Jin a eu fortement moins de lines, plus dans les anciennes musiques. Pas on va dire dans leurs nouvelles, genre Aera, enfin. À partir de tout ce qui est Boy With Love, j'aurais commencé à avoir quand même un peu de line. Mais si on prend avant, même le comeback avant Not Today, genre Spring Day, genre Blood, Sweat and Tears, genre peut-être les comebacks genre avant comme style genre I Need You, Run, genre là, il a peut-être un peu moins de line. Mais là, on peut pas savoir sur toutes les musiques, mais je sais qu'à un moment, genre, quand j'ai commencé à suivre genre les BTS et tout, bah, j'ai vu genre des informations, genre des gens dire se plaindre que oui, Jin, il a pas beaucoup de lines. Même dans une de leurs chansons récentes, vous allez voir combien de temps il a de lines. Mais là, ça va vous choquer. Moi, ça m'a genre choqué. Donc voilà. Donc là, nous allons prendre bien sûr par le plus choquant, ce qui m'a le plus choqué. Et je blague pas parce que c'est ça ma la la Le premier screen que j'ai donc. Mmh.
Donc là, nous avons pu voir genre un florilège d'une vingtaine de musiques de BTS. Certains me choquent vraiment. Surtout, ce qui me choque, c'est que des fois, genre, surtout dans My Universe, il n'est que 3 secondes. Genre, allô? Genre, il a 3 secondes. Genre, il n'y a personne qui se réveille, qui se dirait, ah ouais, en fait, effectivement, il a 3 secondes. Genre, après, c'est une collaboration, un featuring. Mais il y a d'autres membres de BTS qui ont plus de 3 secondes de line. Donc là, ça me. C'est sûr que ça me choque. Après, c'est sûr, ben, quand il est haut dans le classement, parce que bon, des fois, c'est des musiques qui sont un peu plus récentes, donc il a un peu plus de line, mais vu qu'on peut pas voir sur toutes les musiques, toutes les musiques genre confondues, je veux dire, toutes les musiques confondues, ou même les titres, parce que là, il passe plus genre des titres que des musiques un peu secondaires, même si passer Stay, This Is, ça c'est des musiques un peu plus genre secondaires quoi, c'est des musiques qui font partie d'un album mais c'est pas genre des chansons titres, donc voilà. Mais il y a quand même des trucs genre ça me choque, même si ils se sont quand même genre améliorés, la Big Hit Entertainment, face à ça, parce que clairement genre comment ils le traitaient Jin, enfin c'est pas, il le maltraite pas, mais le truc c'est que dans sa chanson, genre Awake, il parle de sa vie en tant qu'artiste et tout. Et puis aussi, c'est qu'à un moment, genre, je sais pas, il y a une des agences du Big Three qui voulait à un moment, genre, reprendre genre Jin, mais bon, c'était c'était au début BTS, c'était pas non plus la première année, mais ils se sont dit, ouais, mais attends, ils aiment. Enfin, ce qui paraît, la Big Hit n'aimerait pas trop Jin. Et il voulait même pas genre donner Jean à un autre truc, enfin je comprends pas. Genre c'est ça, c'est des trucs que je comprends pas, c'est pourquoi dire ah ouais mais notre art, enfin faire comprendre qu'ils aiment pas trop l'artiste en essayant de lui donner le moins de travail possible, et d'un autre côté quand il y a une agence qui voudrait genre le racheter ou je sais pas quoi, genre non, genre ah non bah on va le garder, ah, d'accord. Mais de toute façon, Jin, si t'es pas dans BTS, ça ne serait pas BTS. BTS sont. S'il y a un membre qui n'est pas là, bah, ce n'est plus BTS en fait. Selon moi, genre, ce n'est plus et ça ne sera plus genre BTS. C'est pour ça, à un moment, quand il y avait eu une fois une question, oui, si les BTS, il y en a 5, avec les BTS, genre par exemple, genre, si y a un 8e membre, ça vous ferait quoi? Bah. Désolé, mais ce n'est pas pareil en fait. Qu'on enlève un membre, qu'on rajoute un membre, ou qu'il y a une nouvelle personne, genre, ça ne sera pas pareil, ce ne sera pas le groupe. Donc, voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire. Puis, genre, s'il y a des trucs qui vous choquent, mais n'hésitez pas genre, à me le dire bah, dans les commentaires. Voilà. Et je vous lirai, bien sûr, et je vous y répondrai, bien évidemment. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.